Ces derniers temps, tu nous as semblé un peu bizarre. Tu avais l'air malade et tes propos étaient incohérents. Regarde, t'as pris des décisions, elles étaient toutes pourries. À chaque fois, nous on s'inquiète pour toi, on s'inquiète pour ta famille. Alors on t'en supplie, Muriel, tu dois te confiner. Reste chez toi. Tu dois te confiner. Reste chez toi, Muriel. Tu dois te confiner. Reste chez toi. Tu dois te confiner. Reste chez toi. Ça oui, ça va être dur, mais tu peux lire un livre, ou cuisiner des pâtes, aller sur internet, compter les voitures depuis le bord de ta fenêtre, les rouges, les jaunes. En tout cas, ne fais surtout pas de télétravail. Tu communiques trop et tu te fatigues. Ta parole est malade et tes mots sont malades. Tu vas nous rendre malades, Muriel. Il faut te confiner. Reste chez toi. Tu dois te confiner. Reste chez toi, Muriel. Tu dois te confiner. Reste chez toi. Tu dois te confiner. Reste chez toi. En plus, maintenant c'est cool, il y a le chômage partiel. C'est un peu grâce à toi, tu devrais en profiter. Tu penses toujours aux autres, mais pense un peu à toi. Va dans ton appart et puis t'inquiète pas. Avec un peu de chance, tu seras même au chômage. Dernière année, c'est devenu un truc vraiment super cool. Tu peux t'inscrire, il faut remplir les formulaires indiqués. Mais bien sûr, ton chômage, Muriel, il faut le mériter. Tu dois te confiner. Reste chez toi. Tu dois te confiner. Reste chez toi, tu dois te confiner. Reste chez toi. 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 Tu dois te confiner. Reste chez toi.